l'air pressé, on dirait. Ah oui, 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 j'ai un entretien très, très important. Si tu veux. Hey. Et mon amour. Salut. Oh, la fameuse cousine de Charles. De Charles. Comment ça va, Mathilde? Eh ben, Mathilde, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Justement, on avait quelque chose à dire. Vous êtes avocate? Ah, oui. Maître François de Brune. Enchanté. Désolé, monsieur, mais là, faut vraiment... Non, pas monsieur. C'est François. Et moi, François, à 10 enfants, on a à peu près le même âge, non? Mathilde, c'est pas ma cousine, c'est ma copine. On est ensemble depuis 3 mois. Voilà. C'est pas possible. Je t'attends dehors. Salut. Vous savez quoi? Moi, je crois pas au hasard. Pour moi, c'est évident que vous devez venir travailler avec moi au cabinet. Oh, c'est gentil, hein. Je suis juste très flattée, vraiment. Mais j'ai aussi une parole et là, faut vraiment que je suive. Vous ne méritez pas. Et Déborah et Pierre, ils viennent en Inde ou pas? Confirmé. Ok, les Thierry? Ah, les Thierry, ils viennent. Oh. Eh oui. Non, mais pourquoi tu les as invités? Eh ben parce que j'étais persuadée qu'ils viendraient pas, figure-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, mais arrête. Et va-t'en avec ta glace, tu vas en mettre partout. T'as pensé à ma soeur? Ça, je peux pas l'oublier, celle-ci, je lui ai acheté son billet d'avion. Voilà. Oh, merci, t'es parfait. Bah, dis-moi, c'est moi qui me fais des idées ou... Tu serais un petit peu stressée, là, de te marier avec moi? Mais pas du tout, chérie. Ah bon? Non, bah, tu connais, crois... mon passif avec les avions... Ouais. Là, il faut se déplacer jusqu'en Inde. Mm-hmm. Mais c'est pas grave, je t'aime pour le meilleur et pour le pire. Eh ben, bah, enfin, il fera gentil. Alors, petit rétro-planning, donc je pars pour Jaipur dans 3 heures. Mm-hmm. Je finalise le business plan avec les Indiens. Mm-hmm. Et pour finir, je termine les préparatifs du mariage du siècle. Ah non, ah non, non, pas comme ça, la joie de ta mère, c'est... Ouf, c'est pas possible. Tu l'oublieras pas, hein? Mais non. Attends, dès que j'ai son autorisation de sortie du territoire, je te rejoins à Jaipur, avec elle. Moi qui pensais l'avoir à mon bras le jour de mon mariage. Mmh. Elle aurait adoré venir en Inde avec nous. Moi, mais si elle est morte, pourquoi vous l'emmenez à votre mariage? Rien, la pauvre. Ça, je sais, hein, mais vous connaissez les hommes. Ils n'ont jamais fini avec leur mère. Vous avez bien raison. Embarquement terminé. T'es qu'elle lève pas l'envie. Ok. Hé, Nanette, t'aurais pu nous prendre des billets en business. Hein, quitte à mourir, autant le faire en première classe. Oh, Betty. Oh, j'ai cru que tu viendrais jamais. Toi et moi, c'est pour la vie. Oui. Ma petite sœur part se marier à Jaipur. Applaudissements. Bravo, 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 bravo. Tiens, ça, c'est pour toi, c'est pour regarder ton mec. Ah, c'est sympa, c'est quoi? C'est un guide? Mesdames, messieurs, nous allons décoller. Betty, t'es vraiment folle. D'être venue, ça, c'est sûr. Puis en plus, tu vas nous faire mourir comme nos parents avant nous dans cet avion, mais bon, je t'en veux pas parce que je t'aime. Je t'aime. T'as beaucoup oublié, non? J'en ai un peu picolé hier. Un peu. Bon, j'ai prêté mes docs là, je crois que ça fait pas un bon mélange. Détends-toi, respire, on va décoller. Armement des toboggans. T'inquiète pas. Vérification de la porte. Je m'inquiète pas. Ça va pas?
Ocean Delta Airline. Agnès, sortez-moi celle-là. BNC, début descente. Je suis vraiment désolée, j'ai pas fait exprès. Je vous en supplie, n'en parlez pas à ma soeur parce qu'elle est complètement cardiaque. Bon, vous restez assise, vous vous attachez et vous bougez plus. Je sais pas. Mesdames, messieurs, c'est votre commandant qui vous parle. Suite à un problème technique, nous sommes contraints à un atterrissage d'urgence à 300 km au nord-est de Jaipur. Merci d'écouter attentivement les consignes du personnel de cabine. Mesdames, messieurs, nous allons atterrir. Merci de relever votre siège. Papa, maman, on arrive. Oh, mais t'es quoi? Babou, babou, on va y aller. Babou, on va y aller. J'adore votre porcelaine. Je comprends votre demande. Mais ce n'est pas possible. Mon prix est à prendre ou à laisser. Écoutez, monsieur, en France, on dit c'est le pot de terre contre le pot de fer. Hein, vous êtes plus fort que nous, mais mon client pourra pas accepter. Donc, allez voir en Chine si j'y suis. Oh, par contre, vous n'aurez ni l'expertise ni la caution française dont vous avez besoin. Excusez-moi, c'est ma femme, chacun ses priorités. Allô, petit Carfayet, t'es arrivé? Allô? Allô, mon amour, j'ai pas une bonne nouvelle. On a dû atterrir en urgence, en pleine cambrousse. Ouais, Calois Hôtel, à Bourod, à Bureau, je sais pas. Ok, j'arrive. Non. Ça va pas, on est au moins 6 heures de route. Y a un bus qui va nous emmener à Jaipur tout à l'heure. Non, tu montes pas dans ce bus, la route est trop dangereuse. Je te rappelle, je cherche une solution plus sûre. Mais plus rapide alors, hein, parce que j'ai hâte de te retrouver. Moi aussi. Allez, je t'aime. Oh, ça commence très très bien. Excuse me. Oh, te voilà, toi. Je te cherchais partout. Bon, ta valise doit arriver dans un bus qui doit nous amener à Jaipur. Ah, très bien. Mais j'y crois pas, on est vivante. Excuse me. Ah, et François, je cherche une solution plus confortable que le bus pour voyager. On peut pas s'enfuir de parfait, ce garçon. And then only, are you Mr. François' wife? Yes. Mr. François is waiting for your massage. Until you wait, please follow me. Oh, great. J'ai rien compris. François nous offre un massage pour patienter. Qu'est-ce que je te disais? Un prince. Waouh! Ah, c'est top! Ah, c'est cool, en plus, à manger, j'ai faim! Au revoir! Merci, François! C'est trop bon! Et voilà. Eh, c'est trop bon! Chut! Mademoiselle? Moi. Oui, toi. Thank you. You're welcome. Vous parlez français? Apparemment. Installe-toi. Bon, ok, mais j'ai juste un peu mal au dos. Hein. À cause de l'atterrissage, mais sinon ça. Et puis, votre délire, je fais le poirier pour mettre mon nez dans tes fesses, c'est pas du tout mon truc. Donc pas de massage bali-bali pour mademoiselle. Pas de chance. Madame. Pas de chance. Allez. Ouf. Oh. Oh la vache. Ah bah oui, là c'est pile là. Hein. Donc madame est française. Gagné. Parisienne en plus. Si vous fait dire ça. L'assurance dans ta voix. La tension dans tes muscles. Et cette manie de faire des réponses courtes et minimalistes. Un cliché, quoi. Exactement. T'as les avant-bras très tendus. Ah, ça, c'est normal. Hein. Ça fait 2 heures que je me trimballe ma robe de mariée, ma valise et mon... Chut. Oh, je sais. Oh, mon urne. Mon urne. Respire. Ah, mais qu'est-ce qu'il veut que je respire, ce con? Mais c'est pas vrai. Vous allez au bus. Désolée, hein. T'es sympa, vraiment, hein. Mais là, je peux pas. Faut que j'y aille. Attends, c'est con! Il n'y avait plus personne, on aurait pu faire durer un petit peu plus le plaisir. Si. Il y a moi.
c'est pas possible. Non. Oh, yes, madame. The buses. Where are the buses? The buses are gone, madame. What? Yes, no. Taxi, madame. No, 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 taxis. Oh, you're welcome, madame. Oh. Oh, la vache. C'est fou, c'est comme faire l'amour, mais sans faire l'amour, en fait. Tu peux. Petit. Léon, dis-moi que tu l'as prise en sortant du bus, dis-le-moi. Oh, non, chut. Excusez-moi, j'ai besoin d'aide. Vous avez une voiture? Oui, bien sûr. Très bien. Mais je bosse, là. Tu vois pas qui bosse, là? Je me suis mal fait comprendre. C'est très important. Je vous paye. Mais t'as cru quoi, toi? T'as cru que j'étais allouée? Oh, allez, s'il vous plaît, faites un effort. Vous m'avez dit vous-même, y a plus personne. Oui, mais j'ai une vie en dehors du boulot. J'ai horreur qu'on me force la main. Allez, merci, fin du massage, au revoir. C'est toujours pareil avec les Français, c'est incroyable. Et vas-y que ça parle fort, et ça donne des ordres, et ça finit toujours par vous la faire à l'envers. Merde, un peu de solidarité, s'il vous plaît. Hé, évite de te prendre pour Christophe Colomb, t'es pas en territoire conquis. Ah, alors, Christophe Colomb était génois et il travaillait pour la reine d'Espagne, ok? Super, on s'en fout. Je reviens. Attends-moi à la réception. Attendez, attendez, attendez. Super, merci. Non, c'est vrai, c'est ma parisienne, hein, je suis désolée. Mais j'ai besoin d'aide, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Attendez, attendez. Non mais ça va vous prendre que quelques heures. Si je passe par la réception, je sens que j'en ai pour 4 jours. C'est possible. Maintenant, faut arrêter de me suivre, madame. Et vous gagnez combien avec vos massages, là? 10, 20 euros? Moi, je vous en donne 100. Et elle recommence. Je vous en supplie. Hey, you, where is my money? Ah, quand même. Where is my money? Where is my money? Mera paisa kahan kami ne? My money. Dites-moi, ce n'est que pas à vous. Vous leur devez de l'argent, peut-être. Combien? 30 000. Roupies? Bon, alors en euros, ça fait à peu près... Allez, on arrondit à 400. Je peux payer la moitié maintenant et l'autre moitié quand j'ai mon urne, hein? Ok. Ok. Stop. À paye. Voilà. C'est la moitié maintenant et l'autre moitié après l'urne. Gentil, le pépère. Bon, ma valise est là, on peut y aller. Son avion atterrit sur une piste au milieu du désert et elle veut prendre l'autobus, tu vois. Moi, je suis pas rassuré. Comme t'es dans le coin, je me demande... Ah, t'y es pas avant mardi? Non, bah, laisse tomber, on se rappelle. Oui, oui, très bien. Ça va? Ah, écoute, j'ai connu mieux. Elle arrive, la mariée? Elle est en route. J'ai obtenu la procuration de l'ambassade pour prononcer le mariage, au nom du peuple français. Cool. Allez, viens déjeuner. Tu sais, si t'as besoin de moi, je suis là. Ouais, ça. Bon, il y a bien un dépôt avec tous les bus, non? On va te trouver ça. Bon, bah j'espère, hein, parce que sinon, moi, je divorce avant de me marier, c'est sûr. Se marier dans un pays où le mariage d'amour n'existait pas, eh ben, c'est une idée de bobo à la con, ça tient. Incroyable. L'un des pourtant réputés pour sa spiritualité, on s'attend pas du tout à croiser des types comme vous. Mais attends, mais elle va se calmer, Julia Roberts? Je te rappelle que je suis là pour t'aider. T'es pas contente, tu descends. Mais pas de problème, rendez-moi mes 200 euros. Bon, c'est quoi cet argent que vous devez? Vous faites des petits trafics? J'espère que vous avez un bon avocat. Hein. Je suis ma sœur, c'est tout. Et ça vous arrive d'en profiter, c'est ça? Enfin, d'aller plus loin. Question de feeling. Tu sais, à propos des 400 euros... Qui ne font plus que 200. Mmh. Eh bien, il faudrait rajouter l'essence et une prime de risque. On sait jamais. Vous perdez pas le nord, vous, hein? Toi, c'est quoi ton problème? Moi, j'ai perdu ma belle-mère. Enfin, l'urne qui contient les cendres de ma belle-mère. Bon, tu bouges pas, tu m'attends. Et surtout, tu sors pas de la voiture. François, mon amour. Oui, non, je peux pas te parler, là. Je suis en plein massage. Oui, je te rappelle. Bisous. Oh, qu'il est beau. What? Attends, what? What? Ah, money? Check. Tu choques, c'est toi, là, qui est là, il faut que tu aies un peu de temps. Qu'est-ce qui se passe? On fait école aujourd'hui? Oui, on se pousse pas, c'est juste.
वहाँ मिल जाएगा आपको थोड़ी देर। शुक्रिया। धन्यवाद। Hey, tu comprends quand on parle, toi? Enfin, désolé d'être humaniste, hein. Tu voulais quoi? T'acheter une bonne conscience? Hey, t'as pas les codes ici, ok? Oui, bah c'est peut-être mieux que de rien faire. Non, justement, monte dans la voiture. Les enfants, j'ai plus rien. Ouh là là, tout ça, au revoir, bye. Voilà, on ferme la porte. Super, et on fait comment maintenant? Je sais pas, j'ai pas les codes. Non, on ferme la porte, Pas sur le capot. Je savais que c'était une galère. C'est dangereux. Hello, do you speak English? Nein. No English? Nein. No. No English? No, nein. Bon, tu me laisses faire? Hey! Hi. Apna bag bus me bulgari hai. Usme hai ka rasta, usme saas ki haas yahan thi. Aap log gaadi khadi hai usme dekh sakte ho. Ça, c'est super bon. On vient de me piquer mon urne. J'ai rien pu faire. Pardon. Quelle galère. Je suis ridicule, je sais. Vous connaissez pas François. Il m'a jamais me pardonné. Mais ça, c'est pas possible. Crash, non, Mira. Je ne connais pas, t'as pas trop de Bilawara Market. Bon, il dit qu'en général, ils revendent tout au marché de Bilawara. On peut y aller, si tu veux. C'est vrai? Est-ce qu'elle a eu le choix? Oh, merci. C'est ici? Non, mais faut que je remette de l'essence. Bon, c'est quoi le problème avec ta belle-mère? Bah, juste avant de mourir, François lui a fait une promesse. Qu'elle serait là le jour de notre mariage. Et comme c'est une promesse, c'est très important pour François et donc c'est très important pour moi. Et vous, qu'est-ce que vous faites en Inde? Je vais venir trouver mon père. Mais il est mort peu de temps après mon arrivée. Il m'a laissé juste un hôtel en ruine. Et il était indien ou français? Indien. Et parce que vous faites pas très très indien. Ouais, je sais. Ma mère est ch'ti et mon père est tamoul. Et voilà le résultat. Pas mal. Bon, alors du coup, si j'ai bien compris, le massage, c'est votre passion. On peut dire ça comme ça. Moi, j'ai fait du Reiki à Paris. Oh, j'ai adoré. Vous connaissez? Ouais, en fait, le massage, c'est juste mon boulot, c'est tout. François, mon amour. Ah, une revanche. Je suis contente de t'entendre, tu sais, hein. Je commence à croire que tu m'avais oublié, hein. Mais t'es bête. Non, bah tu connais Betty, elle est tombée amoureuse d'une ma sœur. Et alors, ça m'a pris des plombs pour la convaincre de laisser tomber. J'ai pas trouvé encore de solution pour te rapatrier sur Jaipur, mais j'y bosse, hein. Après, tu vois, c'est l'Inde. À ce propos, bah t'avais raison. Le bus est tombé en panne. Alors du coup, on s'est dit qu'on allait y aller en train. Bah y a pas de gare là où t'es. Y'a pas de gare? Bah c'est bizarre, ça. Bah, j'ai du mal à comprendre. Puis alors, tu sais, en plus, comme mes bagages sont coincés et que ma robe de mariée est dans la valise. Mais tu vas faire comment, là? Non, mais ça va s'arranger, hein, t'inquiète pas. Ouais, on trouve une solution. En tout cas, je te rappelle dès que j'ai récupéré ma valise. On n'aurait jamais dû partir séparément. Oh, je sais. François. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime. Je t'embrasse. Quoi? Trop long. C'est la première fois que je baratine comme ça, hein. J'ai détesté ça. Pour bien mentir, il faut sortir un mytho à la fois. Le bus est tombé en panne, point. Pas le bus est tombé en panne, j'ai été bouilli par le soleil ou je me suis fait bouffer le mollet par un renard.
Tu vois un petit peu le truc. Je vois à qui j'ai affaire. Hein. Quoi? Il faut payer l'essence. Merci, madame. Ah, oh, ça va. Hein, moi, c'est Anne. Ravi. Moi aussi, enchantée. Non, c'est mon prénom. Je m'appelle Ravi. Non. Oh, bah, Ravi, alors. Le grand retour de Francis? François. Écoute, tu l'appelles comme tu veux, c'est pareil. Betty, j'ai complètement oublié. Oui, ma Betty. Allô, Nanette? Ouais, c'est moi. Je crois que j'ai merdé, là. Mais tu me fatigues. Oui, bah, on arrive. Tiens, aide-moi, s'il te plaît. Trouve-moi une voiture avec chauffeur pour Anne. Je serai tranquille uniquement quand elle sera là. Oui, je vois s'ils sont quelqu'un. Enfin, on va jamais y arriver. Oui, oui, pardon, pardon. Qu'est-ce que t'as encore foutu? Ah non, mais attends, ça va, j'avais chaud, je puis la transpiration dans ma veste. D'accord. J'allais quand même pas piquer des fringues à ces pauvres Indiens, regarde, ils ont rien. Et les planos aux as, là, ça va, attends. Elle dit qu'elle a déformé son châle et qu'elle en veut plus. Du coup, elle veut 100 euros. Quoi? Non, mais 100 euros pour ça, sans déconner? Oh, oh, oh. Excuse-moi, la prise en charge de ta sœur, c'était pas prévu dans... Ah, et à propos de ma mission, on a largement dépassé l'heure de travail. Mmh. Donc, va falloir renégocier. On va surtout finir par faire un vrai contrat, hein. Merci. Bon, nous, on file au marché et toi, t'arrêtes tes conneries maintenant. Je bouge pas du bar. Tu sais quoi? J'ai mieux. Tu viens avec moi. Tu me lâches pas d'une semaine. Allez, allez! Oh là là, c'est triste la vieille avec toi. Je confirme. Bon, admettons qu'on retrouve Lyon dans l'heure. On aura le temps de rejoindre l'hôtel pour prendre le bus? Je t'ai dit oui. Il y a un bus qui nous attend sur la place principale. Ça, c'est super, vraiment. Oh, elle ressemble à quoi, ton Lyon? Porcelaine, Wedgwood, de cette taille-là, à peu près, violette, avec ma belle-mère qui fait comme ça. Allez, Betty, 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 avance. Ouais. C'est dingue ici, j'adore. Hein. Ils sont tellement sympas, j'ai tous envie de les embrasser. Ouais, bah ici, on n'embrasse personne, on touche à rien, c'est compris. Et les Indiens, vous les regardez pas dans les yeux. Ah bon, bah c'est dommage, attends, ils sont super mignons. Laisse tomber, on n'a pas les codes. Quoi ça? T'as oui, vu ça a l'air bon. Allez. Moi, j'aurais bien goûté ça. Bon, hé, vous passez par là, je passe par là, on se rejoint après, ok? Ok, ça marche. Oh, regarde! Viens, on se fait un petit selfie avec la vache pour la collection de Tata Geneviève. Je crois pas. Les vaches, c'est sacré ici. Oh non, attends, ça va, les croyances religieuses archaïques qui font chier partout dans le monde, c'est bon, la foi évolue, hein. C'est qu'une vache, ok? Allez, tu smiles? Tu smiles où? Yes? Smiley? Eh, rapproche-toi. Betty, tu es. Eh, viens, c'est allé. Ah, mais Betty! Oh, bah oui, bah ça va, attends. Eh, fais ton sourire! Fais ton sourire! Fais ton sourire! Fais ton sourire! Je vous avais dit de rien toucher. Hein? Vous regardez-moi. Selfie, les gars, là. Putain. Selfie. On fait quoi maintenant, hein? Maintenant, on court. Ah, courez, 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 courez. Vous êtes né un jour férié ou quoi? Ah, détends-toi, misogyne. Oui, vous avez vraiment problème avec les femmes. Oh, oh, oh là! Venez! Qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi ça? C'est un mariage, danser et faites comme tout le monde. Je sais pas danser ça, moi. Tu connais la danse des canards? Ouais. Ah bah, tu fais pareil, mais tu souris et tu joues partout. Sérieux?
cash. Non, non. Donne-moi un billet. Quoi? Donne-moi un billet. Donne-moi un billet. J'ai vraiment un distributeur de cash avec moi. Je te préviens, c'est mon dernier. Change? Change. Yes. Non, mais attends, on va pas se laisser emmerder par une gamine. Donne-moi ça tout de suite. Ah oh, c'est pas vrai. Elle a pas fait ça, ça a pas fait ça, mais si, c'est pas possible, elle a pas fait ça. Non, c'est pas possible. Non, écoute, t'inquiète pas, ça va le faire, on va trouver une solution. Une seule fois, ne pas te comporter comme un boulet, c'est au-dessus de tes forces. Pardon? C'est qui le boulet, là? Bon, écoutez, moi, je vais vous laisser. Comme non, ça. Non. C'était juste pour vous dire que le bus, il va pas tarder, en fait. Super, j'en peux plus de toi. J'en peux plus, partout où on va, tu fous la merde, mais regarde ce que t'as fait! Non, mais attends, excuse-moi, mais qui a failli crever, là, pour revenir à ton mariage bidon? J'entends pas. Et là, attends, tu me fais un sketch pour un truc immonde avec de la poussière de vieille dedans? Non, mais t'es sérieuse, là? J'ai compris. T'es jalouse, en fait, c'est ça? Hein? C'est ça? Tu m'étonnes. T'as jamais réussi à garder un mec plus d'une semaine dans ton lit. Non, mais attends, moi, je suis jalouse de ta vie stéréotypée de merde. Ouais. Non, mais attends, ton François, mais il est chiant comme la mort. Arrête. Y a rien qui dépasse. Arrête ça tout de suite. Mais tu sais quoi? Tu me balades partout parce que sans moi, tu te fais chier. Ouais. Sans toi, j'aurais récupéré mon urne et je serais dans le bus et je pourrais aller me marier tranquillement. Parce que tu sais quoi? Moi, ma vie avec François, je l'aime, ok? Et toi, tu bousilles tout. Moi, je bousille tout. Non, mais attends, mais qui s'est cassé le cul, là, pour que mademoiselle manque de rien? Madame. Non, pas encore. Moi, j'ai toujours essayé de bien faire. Mais là, j'y arrive pas. Tu vois, je sais pas. Je sais pas. Et l'avion, c'est ta faute, parce que si tu m'avais pas filé tes médocs pourris, là, eh ben, j'aurais jamais vomi dans le cockpit et on n'en serait pas là. Le cockpit? L'avion? Non, mais t'es pas sérieux, c'est ta faute aussi! Mais t'es une grande malade! Mais casse-toi, mais va-t'en, t'as raison! Non, 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 pas le menton qui tremble comme ça, s'il te plaît. J'ai perdu ma belle-mère juste avant de me marier, y a pas de solution. On va en refaire une, je vais t'aider. Française? Ouais. Première fois en Inde? Première fois. Première fois dans un avion. Première fois que je me sens si conne, si seule, si moche, si tout. Je comprends. L'Inde, ça nous change. On est traversé par plein d'émotions. Bonjour, Anne Delorme, merci de me laisser un message. On est où là? Dans mon quartier, madame. Pourquoi? Déjà parce que tous les hôtels de la ville affichent complet. Deuxièmement parce que j'ai un taf qui commence dans une heure. Troisièmement parce qu'on doit partir tôt demain pour Bundy si tu veux refaire faire ton urne. Et enfin parce qu'il te reste exactement 67 heures si tu veux arriver à temps pour ton mariage. Autre chose? Quoi? Vous êtes gentil dans le fond, vous. Ouais, alors vraiment dans le fond. Oublie pas qu'on a un contrat tous les deux. Et je pense qu'on va devoir légèrement augmenter la somme. Parce que le voyage à Jaipur, il n'était pas prévu dans les 400 euros. Bon, combien? Je te le ferai à prix coûtant. Si t'es sage. Ça fait du bien. Ouais, c'est ouais, délicieux. Ravi, ravi, il y a un flic qui nous regarde, là. Bouge pas, mets tes mains en l'air. Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que vous avez encore fait? Ça va, je déconne. Anne, je te présente Javed et Deepika. C'est mes locataires. Enfin, locataires. Namasté. Façon de parler, hein. Ils m'ont rien payé depuis 6 mois, les escrocs. Hein? Salopio. Ouais.
Ravi, j'ai un peu froid. Puis surtout, mes vêtements, ils sont dans la valise, dans le bus. Akuti! C'est une de vos conquêtes? Ouais, la plus belle. Yeah, papa! D'accord, donc t'es carrément mariée avec des gosses. Alors je te présente ma sœur et ses mômes. Attends, hé. Quoi? Je rêve ou tu viens de me tutoyer là? Attends, non, c'est pas possible, t'es malade. Ah bah oui, je me disais, t'as de la température. Anne. Quoi? Attends, bouge pas. Quoi? Bouge quoi? Pas, quoi? Pas, j'ai quoi? Toi, j'ai... Ah, j'ai quoi, quoi dans le dos? J'ai quoi? Il a disparu. De quoi? T'as plus ton balai dans le cul, ça y est. Génial! Oh ouais! C'est super marrant. Bonjour. Pour vous sécher. Merci. Pour vous changer, ça sera là-haut. Très gentil. Venez. Merci. Voilà, des gâteaux. Non, merci. C'est délicieux. Oh, c'est le mari. Il y a un mari? Oh oui. Oh, trop tard. Oui, je me marie dans 3 jours à Jaipur. C'est joli, non, Jaipur? Et je connais pas encore. Après ce qu'on a vécu, choisir les plats du mariage avec toi, j'adore. Ça t'emballe pas. Tu sais, nous, c'était... Avant. Avant, quand Anne n'était pas dans ta vie, t'étais moins farouche. Bon, à nos années folles? Ouais, allez. Coucou, c'est nous. Coucou. Oh putain, merde, Thierry. Voilà, c'est un cauchemar. C'est sexy, tes amis. Anne, tu t'as pris un coup de vieux, dis donc. Je t'aurais pas reconnu. Humour. François. Ça va? Booking under her name. You're welcome, ma'am. Oh, okay. Thank you. Ta future femme n'est plus à l'hôtel d'Abouroud. Je suis désolée. Il y en a quelqu'un d'autre? Un ex dans le paysage, peut-être? Elle enterre sa vie de jeune fille. Ah, mais si tu veux, j'ai une appli d'enfer pour ça. Je te la géolocalise en 2 minutes. Oui. T'es là? Je te cherchais. J'adore cet endroit. Ici, je voulais mettre un auvent. Comme ça, je pourrais faire des massages. Et puis là-bas, je voulais faire un petit côté où on peut lire, se détendre. Rester tranquille, en chill, quoi. Et puis là-haut, je voulais faire une suite nuptiale. Avec vue sur la ville à 360 degrés. La classe. Ouais. La classe imaginaire pour l'instant. C'était le rêve de mon père. Voilà. Ça, c'est mon héritage. Ce bout d'hôtel avec des dettes à des psychopathes pour payer des... Des travaux qui n'ont jamais terminé et une sœur dont je dois m'occuper. C'était ça tes créanciers? Si c'était que ça, je serais tranquille.
Non, mais ce qu'il faut, c'est ouvrir sa totale, hein. Tout va rentrer dans l'ordre. Oui, bien sûr. Quand on veut, on peut, c'est ça? Ouais. En attendant, je dois toujours faire deux métiers. Masseur le jour et barman la nuit. Et chauffeur. Et chauffeur. Tu sais, je suis venu en Inde en espérant qu'elle m'accueille et qu'elle m'offre un destin extraordinaire. Et puis je me rends compte que c'est exactement comme en France. Je galère pour trouver des boulots à droite à gauche. D'ailleurs, je dois y aller. Bah attends, je viens avec toi. Ah non, je pense que tu vas pas aimer ce que je fais là-bas. Bah, s'il t'arrive quelque chose... Qu'est-ce que je fais avec mon urne? Merci de la confiance. Psy, comme tu peux le constater, je suis barman et je bosse. So sorry. Ah pardon, hein, j'avais pas vu que c'était si difficile comme ça. Bah, je vais danser. À ta place, je le ferai pas. Et pourquoi? Eh ben, les Indiens, ils sont chauds, très très chauds même. Pas grave, on enterre mon pigeon. Eh ben, vas-y. Bon, bah, je te laisse avec tes vieilles, hein. Allez, on y va. Hé, réveille-toi. J'y crois pas, c'est moi qui me fais taper, c'est elle qui dort. Allez, réveille-toi, là, je viens de me faire virer, c'est où tu dors ici, où tu me suis. Je suis désolée. On va trouver une solution pour ton boulot, tu sais. Non, c'est juste... Ça fait 30 heures, j'ai pas dormi, alors... Tu vas pas me laisser tomber, hein. De toute façon, je suis sûre que t'en es pas capable. Moi, j'en suis pas capable. Bah, ma parole, c'est mal me connaître. Allô, Nénette ? Ouais. Je voulais te dire pardon et merci. Pardon pour l'urne et merci pour l'engueulette, parce que grâce à toi, j'ai rencontré l'homme de ma vie dans le bus. Ah bon ? Encore ? Ah non, non, là, c'est lui, j'en suis certaine. Il est fort, il est drôle, il est brillant. Bon, il est riche, hein ? Mais je l'aime quand même. Il s'appelle Mukesh, il est génial. Betty, t'as fumé, t'as bu T'as une voix très bizarre. Ah non, non, mais t'y es pas du tout, là. C'est juste qu'il m'a ouvert tous mes chakras. Oh, non, pas de détails, merci. Betty, s'il te plaît, tu peux faire gaffe pour une fois. Pose-toi les bonnes questions avant de t'embarquer encore dans un truc pourri, là. Et pourquoi ce serait moi qui serais dans un truc pourri? Pourquoi ce serait pas toi, hein? Ne juge pas.
Et ouvre-toi au monde, ma sœur. Namasté. Allez, ye kya kar rahe ho? Isse kuch sapna dikha raha. Pata hai na pakde gaye to kya hoga? Ye chup karo. Bar chapati banane se to acha hai. Pichhi. À mon amour pour la vie, Zoé. Jolie. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Et vous? Bonjour. Vous êtes nombreux ici? Nous et les locataires là. Mais ça fait des mois qu'ils peuvent le payer. Et toi? T'es toute seule? La père des enfants. Il est parti quand il a compris qu'ici, sans Ravi, je ne m'en sortirai pas. Et toi? Moi? Il paraît que tu as des gros problèmes. Ah, non. Moi, j'ai pas de problème. Juste un petit contretemps, c'est rien. Alors, si vraiment vous ne pouvez pas payer votre loyer, très bien, ça arrive à tout le monde. Mais cet endroit a vraiment besoin de votre énergie à tous pour devenir le petit coin de paradis qu'il mériterait d'être. हमारे मेहमान को माफ कीजिए वो अंग्रेजी फिल्में बहुत देखते हैं. C'est pas vraiment marrant ce que je viens de leur dire. Anne, c'est adorable ce que tu fais, mais c'est inutile. Angredo Karadje. Mais c'est pas grave, je vais parler autrement. Je suis avocate et voici ma cliente. Nous exigeons la totalité de vos impayés ou alors la réfection entière de cet hôtel d'ici 15 jours. Si vous dépassez ce délai, mes clients seront contraints de vendre et vous vous retrouverez à la rue. Voilà, c'est plus clair? Hamare vakil hone ke nate Anne aapse keh rahi hai ki agle 15 dinon mein hame hamara kiraya mil jana chahiye, nahi to hame ye ghar bechna padega aur aap beghar ho jaoge. Kya? Eh ben bravo. On peut dire que partout où tu passes, t'as le don de foutre la merde. Eh mais pas du tout. Attends, j'ai bluffé, tu vas voir, ça va marcher. Oh, ok. D'ailleurs, pour ton urne, j'ai trouvé un super artisan qui peut... Moi, tout ce que je sais, c'est que je me marie dans 2 jours et que ce soir, je vais être à Jaipur, c'est bon? On récupère ton urne, 1 heure après, tu seras dans le train. Parfait. Oh, ravi. Non, vraiment, il faut que tu me crois. Il y a quelque chose ici. Il y a une âme, c'est beau, c'est... Et tu vas voir, hein, une fois les travaux finis, mais les bobos du monde entier vont se disputer pour venir se faire masser chez toi, passer des vacances. Et crois-moi, je m'y connais en bobo. Y a surtout pas d'électricité dans la moitié des pièces. C'est pas grave. Ravi? Quoi? Non, je me demandais juste... C'est qui la fille sur les photos chez toi? Personne. Ah, sujet tabou. Non. Elle s'appelait Zoé. C'était mon grand amour et on est restés 2 ans ensemble. Je pensais qu'elle et moi, c'était pour la vie et... On n'avait pas les mêmes plans. On a tous un peu connu ça, non? Non, on n'a pas tous un peu connu ça, comme tu dis. Elle m'a quitté en 3 secondes pour une meuf. Ah bah, génial. Ouais, génial. Non, enfin, pardon. Je veux dire, si elle préférait les femmes, tu pouvais pas lutter. T'es parti en Inde pour l'oublier? Je me suis dit qu'ici j'aurais la win.
Et puis j'ai plus envie de tomber amoureux, c'est... Je trouve ça très dangereux. Coucher, draguer, ça me va, mais... Je veux plus aimer. Et toi? Moi? Ben... Tu sais pourquoi je suis venue, hein? Pour marier. Et? Et ben, je l'ai rencontré en stage, c'était mon boss. Oh non! Ah, le cliché, la nana qui se tape son patron, quoi, c'est pourri. T'avais besoin d'un père ou quoi? Ouais, peut-être, ouais. En tout cas, je l'admire beaucoup. J'adore bosser avec lui, j'adore vivre avec lui. C'est... Voilà. On a décidé de se marier il y a plus d'un an déjà. Et on a choisi la date du jour précis où il m'a embrassé la première fois. Nul. Ah, le vieux Bollywood. J'y crois pas. Bah, si, je te jure. Bon, là, de toute façon, bim, gros contrat pour les Indiens. Pile à ce moment-là. Et François est très superstitieux, donc... il a pas voulu décaler la date. Non. Ouais. Tout est très planifié chez vous. Non, mais tu sais, ça paraît con, vu comme ça, mais... En fait, ça a un côté vraiment confortable et rassurant. Je t'assure. Qui sait? C'est peut-être ça, là, oui. Exceptionnel, le problème c'est que c'est au Ménal et que c'est à 50 ans. Mais alors ça veut dire que je pourrais avoir mon train aujourd'hui ou pas? Tu pourras peut-être prendre le dernier. Bon, ben, il faut tenter, hein, j'ai pas le choix. Allez, c'est parti. Oh yes. François, mon amour. Bon, alors j'ai pas réussi à attraper le bus hein, qui devait m'amener à la gare de Cota. Impossible, c'est kafkaïen. Enfin bon, bref. Et puis de toute façon, comme mon billet était réservé pour hier et que ma valise, ils ont inversé, je pouvais pas partir sans ma robe de mariée. Mais... heureusement, j'ai rencontré un groupe de vieux français. Tu sais, avec les bananes autour de la taille, là, comme on aime, hein? Oui, voilà, enfin bon, bref, on s'en fout. Normalement, je devrais avoir un train en fin de journée. On va y arriver, chérie, on va y arriver. Bisous. Trop long. C'est plus simple. On va y arriver, chérie, on va y arriver. Bisous. Oui, c'est ça. Encore un mensonge. Ok, we have a good deal. C'est bon, on peut signer. Hein. Oh, ça va, arrête de râler, on est bientôt arrivé. Mais je râle pas. Depuis que je suis ici, j'ai l'impression que le temps est différent. D'ailleurs, je maîtrise plus rien et ça m'angoisse même pas. Ouais. Bon, par contre, ça, c'est bizarre. Mais quoi? Ah, François me rappelle pas. Pourtant, il est plutôt du genre à décrocher avant même que t'aies fait son numéro. En même temps, tu lui mens très très mal, t'as perdu sa mère. Ah, merde! Oh, c'est pas vrai? C'était quoi ça? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Putain, ma bagnole! Oh, mais c'est horrible! C'est atroce, ma bagnole! Mais on s'en fout de ta bagnole! Ah oh, non, mais c'est horrible! Hein? Mais il faut la décrocher là! Bah oui, il faut la décrocher! Tu vois, tu me fais mal là! Là, on n'est pas sur 30 millions d'amis là! Ah Non. Merde. Chier. Pour une fois que j'ai un truc à moi, rien qu'à moi.
C'est pas moi qui appuie sur l'accélérateur pour foncer dans un troupeau de chèvres, hein. Assume. Ah ouais, j'assume. Ton avion qui atterrit au milieu de nulle part et ton yacht qui est resté dans le bus, c'est moi. J'ai tout programmé pour qu'on se rencontre et qu'on enchaîne les galères. T'inquiète pas, demain tu vas retrouver ton petit mari avec ton boulot et ta petite vie bien programmée. Bah allez, monte. Hé, monte. Non. Bon, il me le loue pour la journée, c'est le seul moyen d'avoir l'urne. Mais je veux pas monter sur un éléphant. Ici, on les martyrise depuis qu'ils sont tout petits. On les arrache à leur mère, on les bat pour qu'ils soient dociles. On veut pas être complice de ça. Ah, Nathan, bouge pas, bouge pas. Quoi? Je bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Ah bon? T'es prête? Maintenant! Maintenant quoi? Touche-lui le bout de la trompe. Quel bout? Pourquoi le bout? Parce qu'il adore ça. Voilà. Ouais, comme ça. Ça, c'est bien, ça, ouais. Un peu plus doux. Et elle le fait, la coquine. Ça n'existe pas d'être aussi lourd, hein. Eh, ça va, je déconne. Eh, t'as jamais entendu parler de maltraitance sur les chameaux? Non. T'as le bénéfice du doute. Super. C'est beau, hein? Ouais, ouais. Ma mère aurait adoré cet endroit, c'est sûr. J'adore quand tu parles de ta mère. Je suis certaine que c'était quelqu'un d'exceptionnel. J'aurais tellement voulu la rencontrer. Merci encore, hein, pour ton aide. Ici, c'est un endroit sacré. Une légende qui raconte que si le corps était jeté là, sa réincarnation se faisait auprès des gens aimés. C'est parfait. Visiblement pas assez. Marie... Franchement, t'es tout ce que j'aime, t'es franche, t'es cash. Je sais pas ce qui se passe dans la tête d'Anne en ce moment, mais j'ai décidé de lui faire confiance. इसका कोई दूसरा फोटो भी है आप लोगों के पास? Est-ce que t'as une autre photo? Bah oui, mais par mail, mais ça nous sert à rien. Email में है. अगर आप दूसरा फोटो भेजना चाहें, तो भेज सकते हैं. Facebook पर, Twitter पर, या WhatsApp पर. Ye raha mera Wi-Fi password. Bon, alors il dit qu'il est pas né au Moyen Âge et qu'il a internet comme tout le monde. Donc il te donne son code Wi-Fi. Ah mais génial. Bah ça c'est top. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Le seul problème c'est que ça va prendre un peu de temps. Combien de temps? Jusqu'à demain. Ah non, non, mais ça c'est pas possible, hein. Moi je dois être ce soir à Jaipur. Dis-lui que je lui paye le prix qu'il voudra. Non, ton argent il sert à rien là. Allez, c'est du boulot. Mais qu'est-ce que je vais dire à François? काम सूत्र आप लोगों को ये किताब अच्छी लगती है? Il te demande si tu connais vraiment la signification de ce livre. Ah, non. ज्यादातर विदेशी इसे सिर्फ कॉमिक बुक समझते हैं, जो कैसा नहीं है. ये तो बहुत कुछ लिखती है, जैसे प्रेम. Il dit que pour nous les occidentaux, on voit ce livre comme un simple livre érotique. Sauf que le Kama Sutra, c'est beaucoup plus. Et en fait, ce livre parle de la vie, de l'amour. Hein? Ah bon? Je savais pas ça. Is Kam Sutra mein jivan sathi ke bare mein bhi bahut kuch likha hai. Il dit que
dans le livre, pour trouver l'âme sœur, il faut se connaître déjà soi-même. Et nous, enfin, et toi, on... Tu te connais pas encore vraiment. J'adore les garlic cheese naan. Manger de l'ail quand on est amoureux, c'est pas le top, mais bon. Mais t'es belle quand tu manges de l'ail. Arrête. Dis-moi, mon mouc-mouc. En allant chercher des vêtements dans ta chambre, j'ai trouvé ça. Tu m'avais rien dit. C'est pour jouer. J'adore jouer. Je vois. Colombe le jour, vautour la nuit. Oh, je vois. Allô, Nanette? T'es arrivée à Jaipur? Non. Là, j'ai une vue de dingue sur le désert de sel blanc. Oh là, c'est quoi cette voix? Ça sent la loose. Je sais pas ce que j'ai. Je me suis jamais sentie aussi libre et... J'ai tout le temps envie de pleurer, je... J'ai une boule dans le bide, je comprends pas pourquoi. Bah t'es en cloque. Non. Bon bah alors, t'as couché avec le masseur et t'es amoureuse? Ça va pas, non. Faire partie de son tableau de chasse. Non, merci. Betty, est-ce que tu peux appeler François pour moi, s'il te plaît? Et lui dire que je serai là que demain. Trouve n'importe quoi, mais là, moi, j'arrive plus à mentir. Ok, je te couvre. Mais écoute bien mon conseil de vieille. Quand t'es pas mariée, t'es pas mariée, ok? Allô? Bisous, hein. J'ai trouvé un campement pour touristes pas loin. On peut y aller ou... On peut rester ici. Non. Faut que je dorme. Je me marie dans 2 jours. Allô? Allô? Allô, François, c'est Betty, je te dérange pas? Il est arrivé quelque chose à Anne? Non. Et? Eh ben rien, on arrive demain, c'est tout. Oh, attends, mais comment ça, rien, là? Ah si, on a mal au ventre. L'Inde, c'est pas simple, hein. Et? Eh ben rien, on arrive demain, c'est tout. Attends, j'ai reçu sa valise ce matin qui est arrivée par le bus qui était censé vous ramener à Jaipur. Ça te dit rien, ça? Et donc, tu nous fliques? Ah bah bravo. Non mais attends, je suis en train de te dire qu'on a mal au ventre, là. Caca, ça te parle? Non mais c'est pas vrai, tu comprends jamais rien, toi. Allô? Allô? Merde, mes chakras. Bah Betty? Salut. T'es encore là? Descends là, je vais garer le chameau. C'est bien, mon gars. One bedroom is okay for 2 persons. Sorry, ma'am. There is only 1 tent left. I'm sorry. Sorry. Bon, c'est quoi son problème? Quoi? Bah, il dit qu'il reste une tente, mais il a pas l'air de vouloir nous enfiler. Bah, c'est normal, on est en Inde. Oui. On peut pas dormir ensemble si on n'est pas mariés. Écoute, vas-y, prends-la, moi je vais dormir ici. Ah non, moi je veux pas de problème, je te le dis. Je préfère dormir avec le chameau. Non, mais je vais pas te laisser dormir à l'écurie. Bon, vas-y, donne ta main. Ça marchera jamais ton truc. Viens,
Sorry, sir. I think you misunderstood. Look, we are married. What? Yes. Come. Yes. See? Oh, honeymoon. Just married. Okay. Surprise, surprise. Come with me. Come. Ben voilà. Come. Come with me. Surprise. Come. Ladoos. Yummy. Good. And surprise for you. Honeymoon style. Don't surprise. Bonne nuit. Ça fait du bien. J'ai l'impression que ça fait un mois que j'ai pas mangé. Merci. Vous êtes français ? Oui. Voyage de noces ? Ouais. Ça fait 15 ans qu'on est mariés. Ah, oh, c'est beau. Courageux, hein ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Ah, vas-y. Non. Allez, vas-y. Non. Il a couru derrière le bus. Il a réussi à le rattraper à la station suivante. Il est monté dans le bus. Il m'a embrassé. Et là, je te jure que j'ai su que c'était l'homme de ma vie. Waouh, c'est beau. Et vous ? Moi, franchement, au début, j'avais envie de la gifler. C'est vrai. Et moi, je me suis demandé comment on peut faire sa vie avec un enfant. Et voilà. Tu vois, là, elle recommence. Non, parfois, je me demande si c'est bien notre lune de miel et pas le voyage de la dernière chance. Pas déjà. Je pense que personne va arrêter. Ni toi, ni moi. Même si parfois, ça fait peur. Oui. Elle est belle, elle est impulsive, elle est intelligente, elle est drôle. Je déteste quand elle pleure. Quand elle lâche prise, quand elle sourit, j'ai juste envie de l'aimer. C'est beau. Tu m'as jamais parlé comme ça, toi. Oh, mais si, t'exagères. Mmh. Ravi. Quoi ? Non, rien. Yeah.
sais, moi, si j'étais François. Moi, je vais dormir avec le chameau. Ravi ? Ravi ? Pas ça. Ravi ? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, une petite parano. Mais comment tu m'as retrouvé? Figure-toi que nos chers amis les Thierry ont une application formidable pour géolocaliser leurs amis. Je me suis engueulée avec Betty. Je sais même pas comment je me suis retrouvée là. Uncheck. J'ai pas eu le temps de mettre les cendres dedans. Elle est parfaite. Merci. Oh, attends. Tiens. Tiens. Merci. Ah, ma mère. J'espère que le voyage n'a pas été trop long. Ah, si les cendres pouvaient parler... I just can't.
Eh oh! Mec, ça va? Ça va. J'ai entendu. Ouais, tu nous as fait un cauchemar. Non, pousse de temps! Tableau qui a gagné! Attends, c'est fou! On dirait le monsieur du tableau! Fais-moi l'amour. Embrasse-moi, mon temps. La bouche, le cou, les seins. Serre-moi contre toi. Dis-moi que je te rends fou. Tu m'as manqué. Tu m'as tellement manqué, je pensais que tu reviendrais pas. Pardon, mon amour. J'ai paniqué. C'est Betty. Allô? Nénette? Oui, c'est moi. J'ai une question à te poser sur le droit de la propriété parce que on m'embarque au commissariat central de Jaipur. En prison, tu m'étonnes, ouais. Franchement, il y a que ta frangine là pour se taper le cuisinier qui squatte la maison du Maharaja. Boulet, celle-là, je te jure. Bon, alors, premièrement, tu traites pas ma sœur de boulet. Deuxièmement, elle pouvait pas savoir qui lui mentirait. Et troisièmement, non, on va pas laisser Betty croupir en prison parce qu'on doit faire des plans de table. Je te reconnais pas. Je te reconnais pas, c'est simple. Je sais pas ce qui s'est passé avant que tu me rejoignes, mais je... C'est rien passé. C'est rien, c'est juste à cause de ta mère. Non, non. Non, non. Non, franchement, ça, c'est facile, ça. Ma mère, tu la laisses en dehors de tout ça, s'il te plaît. Anne, est-ce que tu veux toujours m'épouser ou pas? Mais bien sûr. Ouais. Oh. Oh, namaste. My sister. Betty. Oh, je suis tellement désolée, je te jure, mais c'est un quiproquo. C'est un malentendu, nous, on est innocents, je te jure. Oui, c'est un tout petit malentendu. D'habitude, il est gentil. C'est à cause de la statue de sa mère, mais on la refera. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur mère, hein? Je crois peut-être qu'il est aussi jaloux. Ah, match. C'est la première fois que je me tape une fille aussi cardon. Mon amour. Eh, je partirai pas sans ma cache, hein. Non, pas là. Un petit peu payé. Salah banne ko do haath ke hamara sale ki hawa tight ho gayi. Hey. Paisa kahan mera? Mera paisa de de, main tere tukde tukde kar dunga. Paisa hai. Aap use niche bhejne lage. Sambhal ke. Ravi, ça y est, on a remis l'électricité. Il est parti. Dommage.
Je l'aimais bien. Oui, donc Marie, Clémentine et Béatrice. Et bah enchantée, on se voit tout à l'heure. Bien sûr. Merde. Ah non, les Thierry, quel cauchemar. Putain, on en parle pas, j'en ai ras le bol. Enfin, on est content de te voir. François a tiré une tronche. Oh. Enfin, François s'est pas ennuyé avec Marie. Hein? T'aimes bien celle-là. Marie. Bah Marie, de l'ambassade, tu sais. Bah ouais, je sais bien, ouais. Oh, Lisa. Oh là là, ça me fait plaisir. Oh, tellement plaisir que tu sois là. J'ai tellement hâte de te voir dans ta robe de mariée. Oh non. Betty, je suis dans la merde, j'ai oublié ma... Mais qu'est-ce que tu fous? Tu m'as dit que tu voulais descendre, je te fais descendre. C'est complètement taré, hein. Éteins-moi ça tout de suite. Ne sentez pas la clope, ma belle-mère. Oh, merci. J'apprécie. Yes, madam. May I help you? No. Pleased to meet you. C'est tellement bon de vous voir. François était très, très inquiet. Mm. Vous allez faire un couple merveilleux. Tout le monde dans ta chambre, pour ce que tu sais. C'est ta belle-sœur? Ouais. Ouais, c'est maintenant. Je voudrais qu'on le fasse ensemble, mon cœur. Bien sûr. Ça va bien là. Oui, oui, c'est sûr. Adieu, maman. Adieu. Dis-moi, perdre sa robe de mariée, c'est comme un acte manqué, non? T'as rien à me dire? Non. Tu vas voir, j'adore cet endroit, c'est magnifique. Hello. Hello. May I help you? Yeah. It's the marriage of my sœur. Beautiful. Mm. Tu l'aimes? Ouais. Ça plaira beaucoup à François, hein? Tu veux pas essayer celle-là, plutôt? Waouh! Ah, ça, ça me plaît, tu vois? Tu savais que le rouge, c'était la couleur... Du mariage. Choukrama, choukrama. Moi, c'est ce que je vais mettre quand je vais me marier avec Mukesh. Choukrama, choukrama. Tu vas épouser cet imposteur? Non, mais attends, c'est pas du tout un imposteur. C'est juste un mec qui m'a traité comme une princesse et qu'on n'avait pas les moyens. Pardon. De toute façon, je m'en fous qu'il ait pas de fric. Je m'en fous. Je sais pas ce qu'on va faire demain tous les deux, mais je sais qu'on sera heureux. Tu sais que je me suis jamais sentie aussi bien avec quelqu'un. Pour se prouver qu'on s'aime, on n'a besoin de rien. De rien. Bon. Bon, tu l'achètes ou pas? Je sais pas. Une autre, c'est possible? Oh, bonne heure pour la journée. Okay. Là. T'as toujours rien à me dire? Tu veux pas me parler de Ravi? J'ai pas trompé François.
Ah bah non, t'as pas trompé François, t'as juste fait pire, t'es tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Ça va pas? D'accord. T'as raison. Toujours raison. J'arrive pas à l'oublier. Ces 3 jours avec lui, c'était comme dans un rêve. Oh, ma beauté. Je vais me reprendre. Je vais enfiler ma robe. Et je vais redescendre sur terre. Mais... c'est ce que tu veux? Vraiment? Ouais. T'es sûre? Ouais. On va mettre ma robe? Chers amis, chers collègues, chères familles, nous sommes aujourd'hui réunis pour célébrer le mariage de Anne et François. Je suis particulièrement heureuse... Stop. Parce... François, on va se jurer fidélité pour la vie. Et je t'ai toujours été fidèle. Bravo. Bravo. Vas-y, ma chérie, libère-toi. Vas-y. S'il te plaît, mon amour, pas tout de suite, là. J'ai jamais rêvé d'un mariage organisé à l'arrache à l'autre bout du monde. Célébré par une femme qui bave devant toi. J'ai jamais rêvé d'inviter les Thierry en croisant les doigts pour qu'ils viennent pas. Je sais que t'es comme ça. Et c'est pour ça que je t'ai aimée aussi. Mais là, j'y arrive plus. Attends, il faut que je te dise aussi. L'urne de ta mère, c'était pas la bonne. La vraie, je l'ai cassée. Il fallait que je la fasse refaire. Ta mère, elle repose en plein marché de Bilawara. Entourée d'une foule d'Indiens et de marchands de toutes sortes, au milieu d'un monde bien vivant. François, si je te promettais aujourd'hui que je t'aimerais toute ma vie, je te mentirais encore. Toi et moi, on mérite quelque chose d'autre.
Ta robe. Merci. Ouais, tu t'en es trouvé une autre. Elle est très belle. Merci. Je voulais te remercier pour tout. Pour l'espoir, pour la force. Et puis surtout pour te dire au revoir, parce que j'ai pas le temps de te dire au revoir. Au revoir. J'ai décidé de pas me marier finalement. Je me suis trompée. Anne, il faut que je te pose une question. Si je le fais pas maintenant, je vais le regretter toute ma vie. Est-ce que tu veux m'épouser? Non. Je veux pas t'épouser. Mais j'adorerais te faire l'amour tous les jours. Et puis, tenir un hôtel avec toi. Et te faire des enfants. Et danser tout le temps.